Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, effectivement, parce que comme vous pouvez voir, il ne s'agit pas d'un gameplay, mais une vidéo, comment on pourrait l'appeler? Vidéo unboxing, parce qu'effectivement, voilà, j'ai un petit carton, quelque chose que ça fait un moment que je voulais, j'ai enfin craqué, je l'ai acheté, donc on va faire un petit unboxing. Et à la suite de ça, je vais vous demander votre avis, suggestions, etc. Et également, il y a pas mal de questions qu'on me pose régulièrement par commentaire sur Twitter, donc je voudrais y répondre et vous en parler. Donc on va appeler cette vidéo là une petite vidéo unboxing blabla. Voilà, parce qu'on va parler pas mal de choses qui, je pense, vous intéressent, parce que j'ai pas mal de fois la même question qui revient et revient et revient. Et justement, le sujet principal de la vidéo, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Quelque chose que j'ai voulu depuis un moment. J'ai enfin craqué, c'est mon tout premier. Regardez, il est là, je l'ai même pas encore ouvert, je l'ai même pas encore essayé, je voulais vraiment garder ce moment avec vous. BOM! Putain, arrête! Mon drone. Voilà, je me suis acheté un petit drone. J'ai craqué, ça fait un moment que je voulais un drone, justement, comme je vous ai dit, et enfin elle était disponible, donc j'ai dit allez c'est bon, je l'achète. Donc c'est pas une vidéo sponsor, hein, c'est pas un placement de produit, etc. Hein, pour couper court un peu à toutes les personnes un petit peu sceptiques, je l'ai acheté avec mes sous et c'est pas donné, hein, on va dire ça comme ça. Pour les gens qui se demandent, parce que je sais qu'à chaque fois qu'on parle d'argent, les gens disent combien ça coûte le pack, comme ça, ça coûtait 1600$. Ah oui, non, effectivement, c'est pas donné, mais voilà, j'avais vraiment envie d'un petit drone et celui-ci, je pense, est l'un des meilleurs. En tout cas, je me suis pas mal renseigné sur internet, etc., les gens qui s'y connaissent, et on m'a dit voilà, celui-là c'est du top canon. Donc on va voir ça. Et oh là là, regardez moi le packaging, le drone il est là mon pote, le drone il est là, c'est tout petit, regardez comment c'est tout petit, ça c'est le drone, voilà. Le drone il est tout petit, donc effectivement c'est un drone qui est petit. Regardez, pour comparaison avec un téléphone, c'est pour vous dire la taille du drone. Ça va être la toute première fois, j'ai un peu peur, j'ai un peu peur de le déplier. Je pense que ça se fait comme ça. Ah voilà, c'est comme ça. Parce que 1600$, tu sais, j'ai pas envie non plus le péter au bout de 2 secondes, si ça vous dérange pas. Voilà, hop, madame, du coup, on a le drone. Hey, voilà, ça fait plaisir. Putain, donc je vais aller tester ça, bien évidemment. Alors, à l'intérieur, il n'y a pas que ça. Alors, ici, sur le drone, comme on peut voir, on a ici la petite boule où il y a la caméra. Voilà. Le petit gamin. Bon, on est des gamins, tu sais. C'est juste qu'avec l'âge, les jouets coûtent plus cher. Voilà, c'est juste ça, je pense. Mais donc, à l'intérieur, on a également la petite télécommande pour diriger. Alors ça, franchement, ça va être vraiment, je pense, une expérience assez intéressante, parce que je n'ai jamais conduit un drone de ma vie. J'ai jamais même déplié ça d'une antenne. J'ai quand même l'impression que je vais encore faire une connerie. Non, ça va, ça va, voilà. Hop, j'imagine que là, ok. Ok, donc j'imagine qu'on va mettre le téléphone à l'intérieur. C'est sympa, c'est sympa. Bon, je montre vite fait, hein, je vais pas montrer en détail. Bien évidemment, et c'est justement l'idée de la vidéo par rapport à ça, c'est si ça vous intéresse de voir des petites vidéos faites au drone. Le petit avantage que j'ai envie de dire par rapport aux autres personnes qui pourraient faire des vidéos, c'est que j'habite au Mexique, donc je pourrais essayer de montrer des petits paysages assez, on va dire, différents de ce que vous pourrez avoir l'habitude de voir. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Mais bon, ça c'est la question que je vous pose. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des petites vidéos IRL, voilà, in real life, comme diraient les Américains, où en gros, voilà, c'est pas du gameplay, mais c'est simplement des petites vidéos où on sort dehors, voilà, oh, la lumière du jour, ah, ça crame les yeux, et on fait des petites vidéos à l'extérieur, et profitant justement de ce petit drone. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire par commentaire. Donc, à l'intérieur, on a des petites palettes supplémentaires, là, qu'est-ce qu'on a? On a des câbles de branchement, de chargement, etc., etc., mais ce n'est pas fini, puisqu'il y a d'autres chose à l'intérieur. Là, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est le chargeur de batterie. Là, t'as la batterie, t'as d'autres batteries, t'as d'autres trucs, etc. Bon, je pense pas que ça soit vraiment super intéressant de voir en détail à quoi ressemble la batterie, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ont déjà fait des unboxings de ce drone-là. Alors, pour les gens qui se demandent le nom, ça, c'est peut-être important, c'est le... Alors, si mes mémoires est bonne, c'est le DJI Mavic Pro. J'imagine que si vous êtes intéressé de voir des unboxings professionnels, parce que ça, c'est pas professionnel du tout, bien évidemment, j'imagine qu'il y a des gens qui l'ont très bien fait sur YouTube. Donc, dans les détails, mais ici on a le petit sac. T'imagines quand même que t'arrives à rentrer le drone là-dedans, c'est un truc de ouf. Le sac il est stylé quand même, hein. Il est solide, il est bien. Ok, voilà, donc ça c'était une chose, ce petit drone, enfin je l'ai, ça fait vraiment plaisir. Je vais aller tester ça, parce que j'imagine qu'il y a des petites choses quand même particulières à faire. Mais voilà, donc c'était la question que je vous pose. Est-ce que ça vous intéresserait de voir des vidéos faites avec le drone? Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire par commentaire. Et également, si vous avez des idées, on va dire assez particulières,
particulière ou drôle ou fun, dire type putain Skyro, ça serait bien que tu fasses ça, ça serait plutôt stylé, ça serait plutôt sympa. N'hésitez pas à proposer des petites choses. Putain, je vais comme un petit gamin, mon pote. Alors également, il y a d'autres petites questions qui me sont posées. Alors je vais mettre ça là avant de le shooter. Alors il y a d'autres également questions qui reviennent souvent et des choses dont je voudrais vous parler. Voilà, tout simplement. Alors premièrement, sur ma chaîne secondaire, je suis en train de faire un let's play sur Resident Evil 7. Je sais que vous êtes nombreux à le suivre, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Mais auquel cas vous auriez envie de voir de ma part des vidéos autres que Call of Duty ou FPS et vous êtes pas au courant que j'ai une chaîne secondaire, bam, c'est le moment, mon pote. J'ai une chaîne secondaire sur laquelle je fais des petits let's play. J'ai fait un let's play dernièrement sur Outlast, c'était franchement putain le kiff. Et là je fais le let's play sur Resident Evil 7, c'est énorme. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir ça, je vous invite à aller voir la chaîne secondaire. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Regardez, voilà, regardez un petit peu ce qui se passe. Le petit let's play sur Resident Evil 7 qui est en ce moment, qui est franchement plutôt bueno. Après j'ai pas mal de plans pour cette année. Donc si vous voulez voir des vidéos de ma part qui sont autres que sur les jeux style Call of Duty, FPS, etc., allez-y sur la chaîne secondaire, abonnez-vous et j'espère que vous allez kiffer, tout simplement. J'espère que vous allez kiffer, j'espère que vous allez passer un moment. Vous savez bien que c'est tout le but. Et on continue également sur Twitter et il est bientôt terminé, donc dépêchez-vous si ça vous intéresse. Il y a un concours Gueunard. Gueunard, ce sont les lunettes de jeu, d'ordinateur, d'écran. Voilà, c'est simplement quand tu passes du temps devant les écrans, devant l'ordinateur, devant le jeu, etc., et que tu veux protéger tes yeux, tu veux pas te fatiguer, simplement avec Gueunard, ça permet de le faire. Alors encore une fois, c'est pas un placement de produit, c'est juste pour vous dire qu'il y a un concours en ce moment sur Twitter. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous allez sur Twitter. Et en parlant de faire gagner des choses, semaine prochaine, j'ai pas mal de cadeaux qui sont réservés pour vous. Vous allez voir que ça va être plutôt sympa. Premièrement, l'occasion, ça va être le DLC de Infinite Warfare. Et à cette occasion-là, bien évidemment, il y aura des vidéos découvertes. Et également, il y aura un stream sur le zombie. Et à cette occasion-là, il y aura des cadeaux à vous faire offrir. Donc, à vous faire gagner. Voilà, donc, pas à vous faire offrir, bah, à vous offrir, à vous faire gagner. Voilà. À l'occasion du stream sur le zombie d'Infinite Warfare, il y aura des cadeaux à gagner. Voilà, j'ai pas mal de choses à vous offrir par rapport à ça. Une petite interaction avec la communauté et d'autres youtubeurs, etc. Vous allez voir, j'expliquerai tout ça de toute façon sur la vidéo découverte la semaine prochaine. Mais il y a des cadeaux qui vont arriver. Je crois qu'il y a même sur le plus beau cadeau une PS4 avec pack PS4 Infinite Warfare, des jeux Infinite Warfare, des codes Season Pass. Bref, il y a pas mal de choses, vous allez voir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ça. Que ça soit sur les vidéos YouTube, mais également sur Twitter, je mettrai des petites annonces. Donc loupez pas Twitter, c'est important. Pour moi, Twitter, c'est le moyen de communication le plus simple et direct avec vous. C'est-à-dire qu'il y a des fois des petites annonces à faire, mais je vais pas faire une vidéo spéciale pour un truc. Donc automatiquement, Twitter, c'est pratique. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé par tout ça, de me suivre et de faire un petit attention régulièrement chaque jour. Vous allez voir qu'il y aura pas mal de choses. Et justement, par rapport à ça, il y a d'autres cadeaux à vous faire gagner très prochainement en partenariat avec Monster Energy. J'ai pas mal de choses à vous faire gagner, des casques de gaming, des jeux, des boissons, bien évidemment, plein de boissons Monster Energy. Je vais le faire gagner, je pense, à l'aide d'un top 10 sniper. Donc je vous invite dès maintenant à mettre en nom de clan MED. Voilà, vous mettez MED comme Monster Energy Drink, tout simplement. Et vous essayez de mettre des clips de bâtard avec ça. Et puis je ferai un petit top 10 sniper. J'en reparlerai, bien évidemment, très prochainement. Mais si vous voulez prendre un petit peu d'avance, il n'y a pas de mal à ça. Il faudra avoir le nom de clan MED sur votre clip. Sniper, bien évidemment. Et justement, je rebondis là-dessus en parlant du top 10 sniper. C'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps. Ça m'a demandé, putain, Skyrose, il est où le top 10 sniper, etc. Il va y en avoir très prochainement. Alors déjà, il y aura le top 10 sniper Monster Energy qui vous permettra de gagner pas mal de cadeaux. Ça, je pense que ça intéressera pas mal d'entre vous. J'ai fait énormément de top 10 sniper l'année dernière, mais j'avais envie de faire une petite pause par rapport à ça. Vous inquiétez pas, ça va revenir. Et justement, on commencera par le top 10 sniper spécial Monster Energy avec plein de cadeaux à faire gagner. Le DLC Infinite Warfare faire avec des cadeaux à gagner la semaine prochaine, des cadeaux Monster Energy à vous faire gagner également, des lunettes Gueunard à vous faire gagner sur Twitter. Bref, on va dire qu'il y a pas mal de cadeaux, putain, mais c'est le Père Noël, mon pote. Et également, après, pour une question, on va dire, un peu plus personnelle, quelque chose qui m'est demandé pas mal de fois, effectivement, pour ceux qui ne savent pas, je vais être papa très prochainement, puisque c'est prévu pour mi-mai. Voilà, mi-mai, je vais être papa. Ah, je peux vous dire que c'est tellement merveilleux, c'est tellement... Je suis tellement content. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions un petit peu par rapport à ça en disant, ah, est-ce que tu aura du temps pour faire des vidéos et en même temps avoir le bébé. Alors effectivement, à la venue du bébé, j'aurai un petit peu moins de temps à consacrer à tout ce qui est YouTube, l'activité sur les vidéos, ce qui est normal. Bien évidemment, je continuerai l'activité, mais il y aura sûrement une petite baisse de régime pendant un petit moment, ce qui peut se comprendre, bien évidemment. Et également, pour les autres questions qui me sont venues, parce qu'il y a pas mal de questions par rapport à ça, donc j'ai noté, hein, j'ai pris des notes, etc., voilà, pour répondre. Alors, je suis en train de préparer la chambre, on a commandé des meubles de bébé, on va peindre, etc.,
grave, vous savez un petit peu la totale. Et on m'a demandé également si j'avais trouvé le nom. Alors oui, effectivement, on a décidé le nom hier, justement. Mais je le dis pas tout de suite. On verra ça un peu plus tard. Mais le nom est choisi. Alors pour ceux qui ne savent pas, effectivement, c'est un petit garçon, un mini Skyrose. Donc voilà, c'est vrai que bah, pour moi, c'est vraiment une nouvelle formidable. Je suis vraiment heureux. Voilà, je vais être papa. Donc c'est difficile. Des fois, c'est ça, c'est rigolo parce que je regarde mes vidéos. Je regarde mes vidéos quand je fais les montages, etc. Et je me dis, putain, je regarde ce mec-là qui fait les vidéos en train de gueuler, en train de gueuler. Putain, la chatte à Simone, la chatte à Thérèse, enculé. Et dire des gros mots et gueuler dans tous les sens et se dit, ce mec-là, il va être papa. Ouais, je sais, c'est rigolo. Hein. Bref, et là, c'est comme ça. Donc, voilà, donc j'avais pas mal de choses à dire par rapport à ça. Le drone, les let's play, la chaîne secondaire, les cadeaux, etc. Donc, je pense que tout est dit. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé et d'écouter. Si vous êtes encore là, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, merci à tous de votre soutien quotidien qui fait vraiment extrêmement plaisir. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, vraiment, merci à tous parce que c'est exceptionnel pour moi, tout ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui. Et on va dire que tout ça, bah, c'est grâce à vous en grande partie. Donc franchement, merci, merci du fond du cœur à vous tous. Je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.